Dabia, SDF de 24 ans d'origine algérienne, est enfin passé aux aveux et accepte de coopérer avec le procureur, a rapporté Le Monde ce 4 novembre 2022. Le journal a pris connaissance de l'affaire Lola et a par la suite dévoilé les propos chocs de la principale suspecte lors de sa quatrième audition. L'une de ses sœurs a aussi été entendue et a fait de grandes révélations sur la suspecte. Rappelons que le 14 octobre dernier, la petite Lola, 12 ans, a été retrouvée morte et ligotée dans une valise dans le 19e arrondissement de Paris. Suite à ce meurtre, une femme a très rapidement été suspectée, Dabia. Avant cela, la jeune femme avait écopé d'une obligation de quitter le territoire français en août dernier mais n'est jamais partie. C'est lors de la fin de matinée du dimanche 16 octobre que la suspecte serait passée aux aveux, lors de sa quatrième audition, comme l'a rapporté Le Monde. Elle qui niait jusque-là aurait finalement commencé à parler après que les enquêteurs lui aient montré 5 photos du cadavre de Lola. Elle s'est donc par la suite décidée à parler. « J'ai été voir la mère de la fille pour avoir un pass, mais elle m'a refermé la porte au visage. À partir de ce moment-là, j'ai eu la haine, je n'étais pas bien, donc ce qui se passe, après je vois une fille qui arrive avec un pass et je lui demande de me le prêter. Elle a refusé en disant que ses parents ne voulaient pas qu'elle prête ses clés. J'avais mes valises à descendre. » Cette fille m'a déverrouillé la porte pour que je puisse monter dans l'ascenseur. Je l'ai forcée à monter avec moi dans l'ascenseur et tout ce qui s'est passé, ça s'est produit dans l'appartement, en ressortant avec la mallette, il y avait la victime dedans. A-t-elle expliqué aux enquêteurs. La suspecte a poursuivi, en tenant des propos chocs et insensibles. Je ne l'ai pas forcée, elle est montée volontairement, elle avait peur en haut et je l'ai forcée à rentrer chez moi. Poursuivi, je l'ai un peu en tenant tapé. Des propos chocs et insensibles. Je n'étais pas bien en fait, j'ai fait ce je que ne l'ai pas forcée. Elle est montée volontairement, peu, elle avait peur en haut et je l'ai forcée à rentrer chez moi. Précisé. Je l'ai un peu tapé. Je n'étais pas bien en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai abusé un peu, histoire d'avoir mon plaisir et point barre, a-t-elle précisé.